Je vais maintenant vous montrer comment faire des câbles. C'est très simple. Donc, ici, on va faire un câble avec 12 mailles, donc 6-6. On va prendre l'aiguille à câble qui est ici. Il y en a différentes formes. Il y a comme ça. Il y a comme ça ici. Donc, ça va dépendre un peu de ce que vous aimez ou vous préférez. Ça dépend des gens. Ce qui est important, c'est de prendre une aiguille à câble là, qui est grosse comme notre aiguille ou à peu près là. Donc, vous voyez, ça, c'est à peu près la même grosseur, alors que ça, ce serait beaucoup trop petit. Donc, on prend les 6 mailles suivantes. Donc, on les prend par le petit bout. Je vais vous montrer pourquoi. 1, 2, 3, 4, 6. On met nos mailles comme ça à l'arrière. On tricote nos 6 prochaines. Et on reprend nos mailles comme ça ici. Donc on les reglisse sur notre aiguille qui est plus droite. Puis on peut venir les tricoter à la suite. On n'est pas au bout de notre tricot comme ça. Et voilà. Donc, vous pouvez bien voir là, que j'ai pris des mailles, que j'ai passé par en dessous, puis que je suis revenue tricoter là, les mailles à l'avant. Donc, vous voyez la torsade qui est là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Les torsades peuvent se faire là, avec, des fois, c'est juste une maille ou deux mailles, tout ça. Là, donc, il n'y a pas. Habituellement, la majorité du temps, c'est le même nombre de mailles. Donc, si on a fait 6 mailles, c'est 3-3. Donc, 3 à l'arrière, 3 qu'on tricote et on tricote les 3 derrière par la suite. Aussi, on peut vous demander de mettre votre aiguille avec les mailles en attente, les mettre sur le devant. Ce qui va faire que ça va être le contraire au niveau de notre tresse ou notre câble.